dynamique. Je présente mes voeux le meilleur à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le camarade Kabila, au coordinateur national du Front commun pour le Congo, le camarade Némi, sans oublier le superviseur du Front commun pour le Congo, le gouverneur Papa Solution, Mouyej Manguez Mans, aux députés membres de l'Assemblée provinciale, militants du Front commun pour le Congo, aux membres du gouvernement, militants du Front commun pour le Congo, à tous les fédéraux du Front commun pour le Congo, à toute la population de la province du Lualaba. Je les souhaite une bonne année 2021. Que cette nouvelle année leur apporte bonheur, longévité pour toute la population du Lualaba en général et en particulier à toutes les militantes et à tous les militants du Front commun pour le Congo. Je profite de l'occasion aussi pour dire un mot sur la COVID-19 qui est en train de nous massacrer quotidiennement. En fait, pour le Lualaba, je crois que la dernière décision du gouvernement de la République sur la deuxième vague de la COVID-19 a été respectée scrupuleusement. Le couvre-feu a été respecté et hier s'est tenue une réunion de sécurité dirigé par le ministre de l'Intérieur et Sécurité, le camarade Deoda Kapenda. Assisté à cette réunion, le maire de la ville, qui a rappelé les instructions à la population. La deuxième vague de la COVID-19, il les a invités à la population de respecter les règles, les mesures disciplinaire, notamment le couvre-feu décrété par le président de la République et d'autres mesures sanitaires telles que nous les vivions auparavant. Sur ce, je souhaite une bonne et heureuse année 2021 à toute la population du Lualaba et en particulier aux militantes et militants du FCC Lualaba.